Étendue sur un peu moins de 2,4 millions de kilomètres carrés, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. À lui seul, son désert court sur 84% de sa superficie globale, avec un rayonnement solaire le plus haut du monde de 3000 heures par an, soit trois fois plus qu'en Allemagne. Le Sahara devient aussi radieux par son héliotropisme que précieux par les ressources en énergie solaire qu'il recèle. À elles seules, elles peuvent couvrir les besoins tant domestiques que mondiaux en énergie. Aussi remettent-elles au goût du jour la nécessité de recours à cette énergie renouvelable comme alternative au fioul en phase de tarissement en Algérie. Un rempart au réchauffement climatique et un bassin d'emploi à même de résorber le chômage en Algérie. TerraSolar, c'est un investisseur et développeur spécialisé dans les projets solaires intégrés. Nous sommes basés en Suisse, allemand. Nous avons déjà implémenté 7 millions mégawatts peak dans 7 différents pays. Le projet intégré, ça veut dire Algérie peut produire localement tous les composants nécessaires pour produire l'énergie solaire locale, par exemple les panneaux, les ordures, les glaces, etc. Cet investissement étranger comprend quatre programmes. Programme d'industrialisation solaire de 3 usines. Programme de promotion de l'entrepreneuriat de 1000 PME. Programme de développement du capital humain générant 50 000 emplois. Programme de centrales solaires photovoltaïques de 4000 MW. Le premier pilier, c'est l'industrialisation dont on a parlé sur les usines qui sont vraiment nécessaires pour que ce projet puisse être mis en place. Et en plus, on ne peut pas faire d'usine ou d'industrialisation ou on ne peut pas développer un secteur sans passer par la formation, par les formations et tout ça. Donc TerraSolar a mis un programme qui est un programme de formation, donc 10 000 formations et 1000 PME et PMI qui vont être secondés par TerraSolar pour qu'on puisse le développer réellement. Ainsi, par la suite, il y aura 50 000 emplois qui vont être, c'est-à-dire la population algérienne qui est jeune actuellement, qui est formée. Donc, elle peut passer dans le secteur. Ce produit produira 7,1 milliards de kilowatts par an, ce qui permettra à l'Algérie d'avoir un coût de production de l'électricité à un prix fixe pour une durée de 35 ans. La production d'énergie avec le solaire est beaucoup moins chère que la production d'énergie avec le gaz. Le solaire, le coût sont 2,9 centimes US dollar et puis le gaz, c'est 7 centimes US dollar par kilowatt pour une période de 35 ans. Avec notre projet, Algérie pourra créer une industrie locale. Algérie peut créer le savoir-faire dans l'énergie renouvelable et Algérie peut aussi se positionner comme pôle leader dans l'industrie solaire en Afrique. Et puis, Algérie peut créer des devises de 17,5 milliards de dollars pendant 35 ans. We are located in Baden, the energy city of Switzerland. We are proud to be a consortium member of this important project for the Algerian state. The total capacity is 4,000 megawatts and will be implemented in a turnkey solution. We will implement 1 gigawatt per year. After 4 years, the total capacity will be 4,000 megawatt. The construction each year will be done in 10 blocks of 100 megawatt. We will need about 20 to 24 square kilometers per 1 gigawatt. Comparé à sa production actuelle en électricité, le projet TerraSolar permettra à l'Algérie d'économiser 285 millions de dollars par an.
L'Algérie économisera 10 milliards de dollars sur la production d'énergie avec le solaire comparé à la production avec le gaz. L'Algérie réalisera une marge de 7,7 milliards de dollars sur la vente du gaz non utilisé pour produire l'énergie. L'Algérie réalisera un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars en devises pour la vente du gaz non utilisé. L'Algérie économisera 10 milliards pour cette période. En plus, l'Algérie peut vendre ce gaz à le marché qu'on n'a pas besoin pour produire cette électricité pour 7,7 milliards de dollars. Ça veut dire que l'Algérie peut gagner en total 17,7 milliards US dollars pendant cette période. Le projet du groupe TerraSola sera accompagné par la création de 1000 PME avec une capacité de production de 4000 MW pendant 4 ans, une station modèle d'une capacité de 1000 MW par an. L'Algérie nous rembourse la dette avec le rendement de l'énergie que le centre solaire produit. Et puis, grâce à nos trois usines, l'Algérie peut créer ce taux d'intégration locale de 80%. Donc, on est là pour renforcer les usines déjà qui sont sur le terrain, pour leur donner les certifications nécessaires, pour les aider, les accompagner à former plus, et les moderniser pour les usines qui sont un petit peu dépassées par la technologie. En termes d'emploi, TerraSola ambitionne de pourvoir 50 000 postes d'emploi en Algérie, dont 15 840 postes seront à pourvoir durant la première étape du projet. Ils seront soutenus par un réseau de centres de formation spécialisés dans les énergies renouvelables, pouvant former 1 000 personnes. À cela sont ajoutés des stages de perfectionnement de 500 cadres à l'étranger.